Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez, cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Quel est votre nom? Niline. En quelle année? Répétez ça. Niline. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution, puis envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Oh!
Je me souviens de rien. Le manque de souvenirs peut être perturbant. C'est normal de ressentir des crises d'angoisse. Vous êtes en sécurité. Oh! C'est la cervelle, Néline. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous ? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Ne me laissez pas seule. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Mise en quarantaine provisoire. Merci de passer. Restez en ligne. Ça a attiré leur attention. Néline, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Si tu m'as compris, bouge la tête. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Passage sur ta droite, prends-le. Relève-toi, tu dois continuer. Que ce soit un cauchemar.
Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan.